contexte de la session d'écho de cet été sur le thème de la délivrance, j'ai choisi, par facilité aussi, de traiter d'un évangile de pardon que j'ai traité dans le dernier ouvrage que j'ai publié. Donc je vais vous faire une lecture orale de ce que j'ai écrit. Au moins, certains pourront dire qu'il y a au moins un chapitre qu'ils ont compris. Le pardon, évidemment, c'est la délivrance par excellence, c'est la délivrance du péché et de la dette que nous contractons par le péché à l'égard de Dieu. Et parmi les actes de pardon que Jésus réalise, il y en a donc un particulièrement fameux et qui nous intéresse aussi particulièrement du point de vue de l'oralité. C'est la fameuse scène de la femme adultère. C'est un récitatif hyper connu, extrêmement émouvant, parce que très dramatique, que tout le monde connaît, mais je suis bien certain que presque personne ne comprend. Je sais bien qu'on a tous tendance à croire que l'on comprend, mais la réalité, c'est que dans le fond, on ne comprend pas. La réalité du texte n'est pas simple du tout et c'est bien pourquoi elle mérite d'être étudiée. Puisque nous parlons d'oralité, on va faire un peu de technique parce que l'oralité concerne la transmission de l'évangile et particulièrement son passage à l'écriture. Et je vous renvoie à la page 244-245 ou aux feuilles que vous avez entre vos mains pour vous montrer la complexité du problème. À savoir que lorsque l'on compare les manuscrits, on constate immédiatement qu'ils sont très instables. Et cette instabilité, vous voyez, sur la page 245, je vous ai mis une page entière d'instabilité. Cette instabilité, elle pose bien des questions. Et pour nous, c'est un argument de ce que la transmission des évangiles n'a pas pu être faite seulement de l'écrit à l'écrit. Car il n'y a aucune raison de mal copier un texte, d'autant plus que ce texte, on le considère comme sacré. Dans le monde antique, religieux, dès qu'il y a une faute dans le texte, on le détruit le texte et on recommence. C'est pas possible que l'on transmette des textes erronés. Même quand vous regardez une page, il aurait fallu, bon, c'est pas vrai, vous me croyez sur parole, si je vous photocopie une page des manuscrits de Platon, mais vous n'avez que ça d'apparat critique et d'instabilité de tout petit mot. Pourquoi là je vous mets une page entière d'instabilité pour un évangile? Et Platon, c'est 9 siècles, enfin, vous savez qu'on n'a pas de Platon avant le 9e siècle, après Jésus-Christ. Alors qu'on a des évangiles du 1er ou 2e ou 3e. Comment se fait-il qu'on a si peu d'instabilité pour des écrits profanes, après tant de temps historique, alors qu'on a tant d'instabilité pour des écrits sacrés, alors même que nous nous trouvons au plus près de la source? Eh bien, ça prouve qu'une seule chose, c'est que à la source, au moins pendant la première génération apostolique, sub-apostolique, post-apostolique, on va dire les trois premières générations, la transmission de l'évangile ne s'est pas faite en copiant des écrits. D'autant que l'instabilité
ne consiste pas dans des bévues d'orthographe ou de rédaction. Elle consiste dans des changements d'ordre des mots dans une même phrase, ou de changements carrément de mots, ou changements de vocabulaire, c'est-à-dire c'est le même sens mais c'est pas le même mot, et puis parfois carrément de leçons tout à fait différentes. Alors pas beaucoup bien sûr, heureusement les textes ont été non seulement bien faits quand même, la génération apostolique et post-apostolique faisait du travail sérieux, mais en plus les églises au cours des siècles ont tâché d'homogénéiser, parce que c'était un problème au 3e, 4e siècle d'avoir des manuscrits si divers. Le travail d'Eusèbe, de Jérôme et d'autres a été de raboter le plus possible. Si bien que ce dont, quand nous, là, on parle de nombreuses irrégularités, on parle de ça après un travail lui-même d'homogénéisation qui a duré pendant des siècles. Ça veut dire comment c'était au début? Ben, c'était 10 fois plus. La péricope de la femme adultère est justement un cas typique. Non seulement parce que, comme vous voyez, la page est remplie d'irrégularités concernant le contenu même du récitatif, mais ce récitatif lui-même en entier comme tel, eh bien se trouve, selon les manuscrits, dans différents évangiles. C'est plus simple. Eh oui. D'abord, on est un peu étonné donc de sa transmission. Quand on se penche vers les manuscrits dits orientaux, c'est-à-dire les manuscrits grecs du côté donc de Césarée et au-delà, et même des manuscrits syriaques, dont la Peshitta, dont pourtant je me sers comme d'une base solide, eh bien la péricope de la femme adultère est absente. Voilà, c'est clair. Et puis quand on se tourne vers les familles occidentales, qu'elles soient grecques ou latines, un coup sur deux, elle est aussi absente. Donc, on a une péricope fantôme. Elle apparaît parfois, elle disparaît beaucoup. Mais en même temps, les plus anciens manuscrits ont la péricope de la femme adultère. Pour prendre des auteurs aussi vénérables que sont Ambroise, Augustin, Jérôme, ils nomment, donnent le texte de la femme adultère. Et quand on se penche vers le grec, on l'a dans le fameux codex de Bèze, c'est-à-dire la copie de ce qui était supposé être l'évangile d'Irénée à Lyon, qui n'est plus à Lyon, qui est en Angleterre, parce qu'elle a été piquée par un certain Bèze au moment des guerres de religion. Donc on l'appelle désormais Codex de Bèze, mais on devrait plutôt l'appeler Codex de Lyon, ou même Codex d'Irénée, parce qu'il n'y a aucune raison que la tradition qui considère que c'était la copie d'Irénée fût fausse. Le lectionnaire a pu être piqué parce qu'il était carrément mis dans une chasse à l'intérieur de l'église de Lyon, et donc c'était facile à voler, quoi. Mais ça veut dire que le lectionnaire était vénéré comme étant apostolique. C'est un lectionnaire très intéressant parce qu'il possède une version grecque et deux versions latines qui en plus Eh bien il s'y trouve le fameux récitatif de la femme adultère. Or, avec Irénée, on est au 4e siècle. Deuxième siècle, pardon. Et donc, parce qu'en effet, je suis en train de me dire, mais comment je vais suivre mon raisonnement, parce que je voulais dire, et donc à l'époque apostolique. On est dans la période post-apostolique. Donc, si Irénée a connu Polycarpe, et si Polycarpe était effectivement
un familier de saint Jean. On est donc vraiment dans la génération post-apostolique ou post-post-apostolique. Donc on a ici des preuves que le récitatif ou la péricope de la femme adultère remonte sans aucun doute à la période apostolique au sens large du terme. Alors le problème, c'est qu'on ne le trouve pas toujours à la même place. Nous, on le connaît dans l'évangile de Jean. Sauf que il faut pas être particulièrement brillant pour s'apercevoir que le récitatif coupe un discours de Jésus en deux. Donc, c'était pas sa place originelle. Mais dans les autres leçons manuscrites, eh bien, on le trouve chez Luc. Et dans d'autres leçons manuscrites, on le trouve bien chez Jean, à l'endroit convenu, mais souvent on le trouve à d'autres endroits de Jean. Il se déplace. Donc, je ne vais pas vous faire la liste. Tout ça pour dire que cet évangile a été manifestement ajouté après la récitation typique de l'évangile et après sa mise par écrit. Ça veut dire que le récitatif de la femme adultère est un récitatif typique oral. C'est-à-dire qu'il sert d'ajout, de complémentation. Il vient pour éclairer quelque chose d'autre. Il nous renvoie au rêve, quoi, auquel nous n'arriverons jamais. C'est-à-dire à retrouver la communauté qui était derrière le texte. La communauté qui savait plein de choses qui n'ont pas été écrites. La communauté qui pouvait dire « Mais moi j'ai voilà tel récitatif en plus pour éclairer ce que vous dites ou pour peut-être même contredire votre commentaire. » Et donc, il y avait là, on touche du doigt ce qui fait notre objet de recherche depuis toutes ces années. Cette communauté vivante qui contient dans son cœur eh bien, tout un ensemble de récitatifs qui sont proclamés en Église et qui cependant n'ont pas été introduits dans les lectionnaires, puisque d'où on comprend l'intérêt. Nos évangiles ne sont pas des chroniques, ils ne veulent pas tout raconter, ils organisent une liturgie. Et cette liturgie eh bien, appelle des compléments qui étaient tenus pour oraux. Sachez que d'autres ont considéré qu'une des raisons pour laquelle cet évangile était fantôme, apparaissait, disparaissait, c'est parce qu'il n'entrait pas trop dans les mentalités d'autrefois. Et que donc, certains eh bien, éliminaient ce récitatif. Vous imaginez bien qu'ils sont eux dans une logique de l'écrit, donc ils n'ont que des écrits. Et donc, ils disent, voilà, alors on a des accusations. Par exemple, on a une accusation qui est faite par un certain Nikon au XIIe siècle, qui reproche aux Arméniens d'avoir carrément supprimé l'épisode. Pourquoi ? Parce que l'indulgence du Seigneur pour la pécheresse deviendrait un scandale pour leur propre femme. Donc évidemment, on est dans une logique de l'exotérique, ce qu'on dit à tout le monde, et puis l'ésotérique, ce qu'on dit entre nous, quoi. Et là, il s'agit d'un problème de vie sociale. Mais cet évangile de la femme adultère, eh bien, on en a des attestations très antiques. Eusèbe, vous savez, qui est notre grand ami, qui a écrit son histoire et qui cite un peu tout le monde dans la mesure où ça l'intéresse, est notre unique source, malheureusement, d'un auteur très important qui était Papias et qui lui aussi est de la génération d'Irénée, qui lui aussi était dans le cercle de Jean. Et il avait donc écrit un livre d'exégèse
exégèse des sentences du Seigneur. Logion curiakon exegesis. Il dit, alors Eusèbe fait dire à Papias, ou plutôt Eusèbe dit au sujet de Papias, or il expose aussi une autre histoire au sujet d'une femme accusée de nombreux péchés devant le Seigneur. Alors certains, bien sûr, l'esprit critique a considéré qu'enfin ça n'avait rien à voir avec la femme adultère. Sauf que dès l'époque même de Zeb, on a des gens qui disent qu'il s'agit de la femme adultère. On a le traducteur de Zeb en latin, qui est un certain Rufin, de bonne ou de mauvaise mémoire, parce qu'il s'est la bataillé avec Origène. Et lui, il dit que Zeb, citant Papias, se réfère à la femme adultère. Papias est mort en 125. Donc le récitatif est apostolique. Mais Eusèbe dit plus que ça. Il dit, or il expose dans aussi une autre histoire au sujet d'une femme accusée de nombreux péchés devant le Seigneur que renferme l'évangile selon les Hébreux. Ah, ici c'est intéressant. C'est que c'est Eusèbe qui ajoute ça. C'est pas Papias. Pour Papias, le récitatif de la femme adultère appartient à la tradition apostolique. Lui, il ne connaît pas la distinction évangile de machin chose et évangile de machin truc. Non. Il n'y a qu'une tradition vivante. En revanche, à l'époque d'Eusèbe, il y a désormais des évangiles en grec et il y a des évangiles en hébreu. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours nous fêtions Saint Barthélemy et que Barthélemy a évangélisé le nord de l'Inde et qu'au 4e siècle, lorsque l'église d'Alexandrie envoie à la demande des Indiens un docteur, un certain Pantène, et qu'il arrive en Inde, il découvre un évangile en hébreu, apporté par Barthélemy. Donc Eusèbe sait qu'il y a des évangiles en hébreu. Et que les Hébreux, eux, possèdent dans leur évangile ce récitatif de la femme adultère. Mais alors, de quoi était constitué le fameux évangile des Hébreux ? Eh bien, nous savons par Eusèbe, par Jérôme et par divers recoupements qu'en fait, les Hébreux ne pratiquaient que l'évangile de Matthieu. Et celui que Pantène va découvrir en Inde, c'est un évangile de Matthieu. Du coup, ça veut dire que la femme adultère se trouvait dans l'évangile de Matthieu. Allez. C'est sympa, hein ? On est en train de passer d'un évangile à un autre, sans problème. Et nous savons, du coup, que la péricope en question se trouvait dans l'évangile de Matthieu, en hébreu, et que donc le récitatif était connu en hébreu. En hébreu au sens large, en tout cas en langue sémite. Donc on ne peut pas considérer que le texte que nous avons en grec soit le texte original. C'est QFD. Non. On possède aussi un petit manuscrit de bibliothèque, minuscule 1006, qui dit, dans sa marge, au moment où, dans l'évangile de Jean, au moment où apparaît, je crois que c'est dans Jean, au moment où apparaît l'évangile de la femme adultère, et bien que ce chapitre est aussi dans l'évangile selon Thomas. To kephalaion toutou tou kata toman evangeliou estin. Ah. Donc il y avait un évangile de Thomas. Alors nous possédons un apocryphe qui porte aussi ce titre. Mais étrangement, il n'y a pas le récitatif de la femme adultère.
Donc, et c'est pas du tout le style. Pour le coup, notre apocryphe n'a rien à voir avec un évangile, en fait. Donc, il y avait aussi un évangile de Thomas. Peut-être que, moi je pense, hein, c'était le même que l'évangile des Hébreux. C'était un Matthieu. Pourquoi ? Parce que Thomas est la figure éminente de tous les aramophones. Thomas, c'est le Pierre des araméophones. Voilà. Thomas et Pierre, c'est la même chose. Pierre, c'est pour les Occidentaux, et Thomas, c'est pour nous. C'est vraiment la grande figure. Thomas, à qui a accompagné Barthélemy, donc il a couvert tout ce qu'ont fait les autres, et il a fait plus que tous les autres. Donc Thomas, c'est la grande figure des araméophones. Donc moi, je pense que ici l'expression évangile de Thomas, ça devait être un évangile hébreu, plus ou moins équivalent à celui des Hébreux, c'est-à-dire le Matthieu. Nous avons une attestation chez Didyme l'aveugle. Vous ne connaissez peut-être pas Didyme l'aveugle. C'est un père de l'Église qui est mort dans qui s'est reposé dans le Seigneur en 398. Et qui dit aussi que la femme adultère se trouve dans certains évangiles. Entendez par certains évangiles, pas certains manuscrits. Il veut dire dans d'autres évangiles que, que les nôtres, c'est-à-dire le grec. Enfin aussi, dans un ouvrage qui s'appelle la Didascalia Apostolorum et qui date du 3e siècle et que l'on sait être une traduction directe du syriaque et qui était utilisée par ceux que l'on appelle les hérétiques, eh ben, contenait aussi le récitatif de la femme adultère. Ils sont hérétiques par rapport aux occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres évangiles que les évangiles canoniques grecs qui se sont désormais imposés autour du 3e siècle. Donc, conclusion, cet évangile fantôme nous renvoie vraiment aux origines orales de la transmission de la bonne nouvelle. Puisqu'il est présent dans une communauté vivante, aussi antique que presque la génération apostolique, que même il a été porté dans la langue, dans une langue sémite, avant d'exister sous les seules versions que nous possédons aujourd'hui et qui sont des versions grecques. À moins de prêter crédit à la Peshitta, aussi de son texte. Pour ma part, je n'ai pas su à partir de quand la Peshitta contient le récitatif de la femme adultère. D'après mes recherches, j'ai trouvé qu'une version palestinienne, dite palestinienne, du 6e siècle, déjà possédait... Palestinienne, ça veut dire araméenne, hein, c'est en langue sémite. Hein. Mais palestinienne, ça veut dire pour eux traduction du grec en syriaque. C'est-à-dire c'est une version syriaque. Au 6e siècle, il y a une version syriaque qui possède le récitatif de la femme adultère. Et on a aussi des scolies syriaques, c'est-à-dire des annotations sur d'autres manuscrits du 7e siècle qui font mention de la péricope. Mais proprement, quand cette péricope entre dans le texte canonique des églises aramophones, à savoir le texte de la Peshitta ou Peshitto, eh bien, je ne sais pas. Nos universitaires, bien sûr, considèrent qu'il s'agit d'une vulgaire traduction du grec. Ils ont peut-être raison. Sauf que, comme toujours, ce sont des jugements péremptoires, parce que quand on se penche dans le détail, on n'arrive pas à trouver de quel texte grec la Peshitta est traduite. Il ne faut pas se fier à des slogans. C'est de la traduction. Très bien, ben montrez-moi l'original. Eh bien, vous n'y arrivez pas. Je vous passe la suite des remarques que j'ai faites, qui vous montrent combien le texte de la Peshitta
n'est pas, ça c'est sûr, la traduction du codex de Bèze. C'est pas la version du codex. Mais, et il ressemble plutôt au texte qui est édité comme étant un texte idéal par les recenseurs des manuscrits et qui est consigné dans un ouvrage qui porte le nom de ces fameux recenseurs, à savoir Nessel Aland. Si vous voulez connaître l'ensemble des variations du grec, vous achetez votre Nessel Aland, ce sont deux Allemands, et le texte idéal, parce qu'ils produisent un texte idéal, c'est-à-dire qu'ils comparent les manuscrits, puis à la fin ils vous disent bah, « le mieux c'est ça », voilà. Et, bah oui, parce que c'est le principe de l'homogénéisation. Donc ils produisent le texte, et sachez que toutes nos traductions sont faites à partir du texte idéal produit par ces deux vénérables Allemands et leurs successeurs. Les textes n'ont jamais existé. Dans l'absolu, c'est un texte qui n'a jamais existé. C'est le résultat de l'hypothèse que toute variation vient après un original, c'est une dégradation, et que donc on peut produire un texte idéal. De fait, la version syriaque de la Peshitta lui est largement homogène. Sauf dans des détails, comme toujours. Et comme par hasard, dans le détail, c'est la version de Bèze. Ah, et ça c'est toujours comme ça. Donc le manuscrit de base que j'ai rejeté, parce qu'il y a de grosses choses qui ne viennent pas de Bèze, tout d'un coup, dans des détails, c'est conforme au manuscrit de Bèze et pas à celui idéal produit par l'homogénéisation des autres manuscrits. Tout ça donc, eh bien, nous invite à nous pencher sur le détail et à apprécier ce qui pourrait être justement une richesse de sens d'origine araméenne à cet évangile, et ce faisant, d'approcher davantage le mystère du Christ. Je vous propose de faire une petite lecture d'abord du récitatif. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et au matin, il vint encore au temple, et tout le peuple venait auprès de lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or les scribes-conteurs et les séparés firent venir une femme qui avait été surprise en adultère. Et l'ayant fait venir, se tenir debout au milieu, il lui disait « Docteur, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et dans la loi de Moïse, cependant, il nous a commandé de lapider de tels gens. Toi, par conséquent, que dis-tu ?» Cela, ils le dirent tout en le testant, de telle sorte que ce soit pour eux un motif dont ils l'accusent. Or Jésus, s'étant penché vers le bas, mettait par écrit quelque chose sur la terre. Comme donc il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui qui parmi vous est sans péché, qu'il jette le premier la pierre sur elle. » Et encore s'étant penché, il écrivait sur la terre. Or ceux qui entendirent, ils sortaient un à un, en ayant commencé par les anciens. Et Jésus resta tout seul, et la femme se tenait debout au milieu. Or Jésus s'étant redressé, il lui dit, « Femme, où sont-ils ? Aucun homme ne t'a condamné ?» Or celle-ci, elle dit, « Et aucun homme, Seigneur, y a. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et à partir de maintenant, encore ne pêche plus. » Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Vous avez dû noter que ma traduction diffère de ce à quoi vous êtes habitué, sur de tout petits points, mais qui sont décisifs. On va donc s'arrêter sur le principal. Tout d'abord, le verset 5 pose un problème.
Si on se tourne vers le grec, on a d'abord un texte qui est instable du point de vue de l'écriture. Le grec dit ou bien. Donc on a deux façons dont cette phrase nous a été transmise dans les manuscrits. Ou bien il dit Moïses en ton homo et que le sentastoyutas litatzain. Sudenun, tilegeis. Ou bien, en ton homo, emin Moïses et teilato tastoyotas litatzain. Suun, tilegeis. Autrement dit, nous avons ou bien Moïse, or Moïse, dans la loi, a commandé que de tel féminin, donc sous-entendu telle femme, soit lapidée. Toi donc, que dis-tu? Et dans l'autre version, on a « Et dans la loi » donc « dans la loi » a été basculé de l'autre côté du verset, on se demande bien pourquoi, « à nous » qui n'existe pas dans l'autre version, « Moïse a ordonné que de tel » au féminin, donc sous-entendu femme, soit lapidé. Toi donc, que dis-tu? Vous voyez, comme il y a des petites variantes, on ne voit pas pourquoi on changerait. Il y a des grosses variantes, des déplacements de morceaux, il y a des ajouts, et puis quand c'est la même chose, il y a des petites variantes. Donc ça ne peut pas être du copiage, enfin, c'est pas possible. Ça veut dire que à l'origine, eh bien, on dictait en araméen et on écrivait en grec. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Avant qu'on arrive à du copiage d'écrit. Et donc, on a des manuscrits divers, sources. Dans la version grecque que je vous ai, dans les deux versions grecques que je vous ai citées, qui commande quoi? C'est Moïse qui commande, soit à nous, soit en général au peuple de Dieu, de lapider qui? De telle femme. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est pas ce que dit la Peshitta. Dans la Peshitta, il est dit que dans la loi de Moïse, quelqu'un, qui n'est pas cité, nous a commandé de lapider de telle, et c'est pas un féminin. Toi, par conséquent, que dis-tu? Donc on a ici un cas très précis de discrepanza, de différence de texte marquant, qui peuvent pas être, on peut pas traduire, on peut pas, ça peut pas pu être tiré du grec. Ça. On a donc une autre version de la phrase proprement dite, une autre version. Qui est celui qui commande à ce moment-là? Évidemment, c'est Dieu qui est sous-entendu. Et qu'est-ce qui est plus pertinent, Moïse ou Dieu qui commande? Eh bien, c'est Dieu, évidemment. Nous, on est habitués à ce que Moïse commande, mais enfin, c'est bien Dieu qui commande à Moïse de commander au peuple. Donc, vous avez, dans la version syriaque, une approche théologiquement davantage fondée. Et où c'est Dieu lui-même qui commande, dans la loi de Moïse, qu'il a reçu. Parce qu'il le lui a remis. Et il commande quoi? De lapider de tel. En araméen, vous ne pouvez pas savoir si c'est un masculin ou un féminin. C'est en général, de tel. En grec, c'est les telles femmes. Mais est-ce que c'est vrai? C'est faux! Réveillez-vous! Eh oui! Dans un cas de flagrant délit, en principe, on a vu les deux, on a eu le temps d'attraper les deux. Et donc, ce que dit le grec est faux. Eh bien, ça s'appelle le faux. Hein? Et donc, c'est la version syriaque ici qui est correcte théologiquement. D'une part, elle attribue l'autorité à Dieu, elle distingue l'autorité source et puis l'autorité médiatrice, et ensuite, elle ne ferme pas
le champ de la lapidation parce que est sous-entendu que normalement on doit lapider l'homme et la femme qui ont été normalement saisis ensemble en flagrant délit. Donc vous voyez comment, quand on se penche sur le détail, la Peshitta, qui a vraiment pas de titre avec elle, eh bien apparaît bien plus profonde que nos manuscrits grecs. Pour le reste, vous savez que c'est un grand mystère que cette scène au cours de laquelle Jésus écrit sur le sol. La Peshitta ne nous dit rien, je vous ai cité le texte. En revanche, il y a plein de scolies ou d'ajouts qui se trouvent sur les autres manuscrits. Alors, je vous en ai cité pas mal. J'ai mis le codex arménien qui dit qu'il écrit sur la terre afin de leur révéler leur péché. Et ils voyaient leurs nombreux péchés sur la pierre. Voilà. Ou encore dans l'évangile de Barnabé, un autre apocryphe, ils disent que Jésus faisait un miroir du sol dans lequel chacun voyait ses propres péchés. Et dans le codex de Bèze, il précise qu'il écrit avec son doigt Totactulo Catégraphène. D'ailleurs, c'est catégraphène, c'est pas simplement écrire. C'est... Alors ici, le doigt, évidemment, renvoie au doigt de Dieu qui a écrit dans la pierre les 10 commandements. Et c'est aussi, on verra, parce que le contexte est sacerdotal, le doigt du grand prêtre à partir duquel il purifie l'autel et l'expie des péchés. Donc la référence au doigt, la référence aux 10 commandements est sans doute pertinente. Néanmoins, les exégètes, eux, se réfèrent plutôt à une prophétie de Jérémie qui correspondrait bien, en effet, à la scène, à savoir que Jérémie dit à un moment... Un trône de gloire sublime dès le commencement, le lieu de notre sanctuaire, espérance d'Israël, Yéhovah, tous ceux qui t'abandonnent seront honteux, ceux qui se détournent seront inscrits dans la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive, Yéhovah. Autrement dit ici, l'inscription est une condamnation. Que donc ça se réfère à Jérémie, que ça se réfère à la thématique de l'inscription des 10 commandements, certains pensent qu'il écrivait les 10 commandements sur la terre, pour sorte que chacun puisse s'auto-juger, eh bien, nous ne saurons pas plus que ça. Ce sont de bonnes interprétations, mais on ne peut pas en dire davantage. Maintenant, passons au sens proprement de la scène afin de comprendre la dernière irrégularité incroyable du texte. Le sens de la scène, c'est quoi ? C'est que on aurait donc pris en flagrant délit un homme et une femme en adultère. Et on présente la femme à Jésus pour qu'il se prononce. Sur quoi ? Sur l'application de la loi. Comprenez tout de suite qu'on est en plein piège. Il y a au moins 3 pièges à l'horizon. Le premier, c'est qu'on a amené que la femme, mais pas l'homme. Donc là, déjà, tout est vérolé. Ensuite, on lui demande de se prononcer sur la loi. Ben, s'il ne dit pas ce qu'il y a sur la loi, il est immédiatement en porte-à-faux. Donc il s'est vérolé. Et puis, pourquoi est-ce qu'on viendrait lui demander ça ? Au nom de quel droit ? Il n'y en a aucun. Et donc ici, vous voyez, on touche
au nœud du problème. Le nœud du problème, c'est l'autorité d'appliquer la loi. Vous notez tout de suite que Jésus a compris que le vrai problème, c'est celui-là. Car à la différence de Daniel, Daniel, il ne fait pas d'enquête. Daniel, lui, on lui a demandé de juger, mais Daniel, quand même, il a fait une enquête. Il est allé vérifier si c'était vrai. Parce qu'au fond, peut-être que tout est faux. Bah oui, puisque l'homme n'est pas là. Comment je peux dire, on l'a attrapé en flagrant délit, il n'y a pas l'autre. C'est qu'on se moque. Donc Jésus, vous voyez, aurait pu faire le Daniel et dire, bon, arrêtez de vous figer de ma poire, hein. Amenez-moi l'autre et on verra. Et puis, il n'y aurait pas eu la péricope. Parce que la péricope est plus profonde que ça. La péricope, c'est que Jésus a compris qu'on est en train de lui tendre un piège concernant l'application de la loi. Et c'est un mauvais piège. Parce que normalement, comment applique-t-on la loi ? On l'applique dans un tribunal. Imaginez que moi, je me prenne pour un policier, que j'arrête quelqu'un pour lui dire « t'as brûlé le feu rouge ». Ben, c'est pas mon autorité. Et donc, ici, ils sont en train de piéger Jésus en voulant faire qu'il applique la loi hors de la structure juridique qui est le tribunal et à l'intérieur de laquelle seule une telle sentence peut être prononcée. Pourquoi ils font ça ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'ils en ont ras-le-bol de Jésus. Et que Jésus n'arrête pas d'interpréter la loi dans un sens qui n'est pas le leur. Et pourquoi il le faisait ? Parce que c'était possible. Les préceptes étaient suffisamment lâches ou suffisamment vagues pour que l'on puisse faire un acte de jurisprudence. C'est-à-dire un acte de jugement quant à l'application du cas concret à la règle générale. Et Jésus s'en sortait à chaque fois comme ça, en disant, bah voilà, ça c'est la loi générale, mais moi je vous dis que dans ce cas-là, ça se passe autrement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? De lui présenter un cas où il n'y a pas de... d'interprétation. Il n'y a pas de possibilité d'interpréter la loi générale. La loi générale s'applique d'elle-même. Et donc, ils attendent de Jésus qu'il fasse comme d'habitude, qu'il interprète la loi. Et donc, qu'il tombe en porte-à-faux vis-à-vis de la loi elle-même. Sauf que Jésus est malin. Il a bien compris qu'il ne peut pas dire autre chose que la loi. Et il a bien compris aussi qu'il n'y a pas d'interprétation de la loi, bien que le cas concret soit complètement déjà faux. Donc il aurait pu, comme Daniel, dire bah, « Le cas concret s'applique pas à la loi, donc je n'applique pas la loi, allez faire ça. » Mais Jésus surtout veut délivrer un message théologique. Et donc au-delà de la controverse de Rabbi, il veut les conduire à la profondeur et à une révélation sur lui-même. En effet, le tribunal, qui est le lieu unique où doit pouvoir s'appliquer la loi, est investi de l'autorité d'appliquer la loi. En soi, qui a autorité pour appliquer la loi dans l'absolu ? Le législateur. Dans le cas de la Torah, qui est le législateur ? C'est Dieu, via Moïse. Donc, lorsque le tribunal se réunit, nous lui attribuons l'autorité
d'appliquer la loi. Et dans le cas d'un tribunal thoratique, nous lui attribuons l'autorité même de Dieu. Pourquoi nous lui attribuons ça? Parce que si le tribunal n'avait pas cette autorité, on ne pourrait pas appliquer la loi. Dans nos sociétés civiles, il en est de même. Nous attribuons au tribunal une qualité inouïe pour pouvoir exercer son autorité, à savoir de ne pas tomber sous la loi. Si le tribunal est contraire à la loi, il ne peut pas exercer la loi. Ça s'appelle l'impeccabilité du tribunal. Nous faisons tous l'a priori que le tribunal qui juge ne va pas se tromper. Parce que si on sait d'avance qu'il se trompe, on lui remet pas la cause. C'est-à-dire que nous supposons que les juges sont impeccables. C'est un acte de supposition ontologique, nécessaire, sans quoi on arrête tout, on s'en va. En vertu de quoi? Eh bien, en vertu d'un principe fondamental, ontologique lui aussi, qui est celui de la collégialité. On suppose que des personnes qui sont réunies s'abstraient de leur particularité. Et qu'en vertu de la communion des consciences, nous parvenons à l'impeccabilité espérée. C'est comme ça que notre société est fondée. Une société de droit, c'est une société où des gens se réunissent pour juger en vérité. Et vous comprenez bien que la scène est donc fausse, fondamentalement. Puisqu'ils interrogent Jésus hors du tribunal et qu'ils lui demandent, lui personnellement, d'appliquer la loi. Alors Jésus, qui a bien compris le problème, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, puisqu'on est hors de la structure institutionnelle de tribunal et que nul ne peut appliquer la loi à moins d'être impeccable, et bien que le premier qui est impeccable jette la pierre. Et bien sûr, personne n'est impeccable tout seul. Dans la société de droit, nous faisons un acte de foi énorme, un acte de foi ontologique, car nous espérons et proclamons que lui, le tribunal, est impeccable. Et donc Jésus demande tout simplement à chacun d'agir en vertu de sa propre impeccabilité s'il veut appliquer la loi. Et tout le monde se désiste, ce qui est tout à fait normal. D'où la conclusion. Elle était au milieu, donc d'un cercle virtuel, mais qui n'existe pas. Elle était au milieu, toute seule avec Jésus. Or Jésus, lui, il est impeccable. Donc qu'aurait dû faire Jésus? Prendre la pierre et la lui jeter sur le crâne. Mais voilà, Jésus n'est pas venu pour ça. Et ce qui est incroyable, c'est que le texte syriaque fait dire à la femme pécheresse ce mystère-là. En effet, dans le texte syriaque, comme vous m'avez entendu le lire, la femme dit « Aucun homme, sous-entendu, ne m'a condamné. Seigneur, ya. » Quoi? Elle prononce le yod qui est le résumé du tétragramme.
Elle ne dit pas « Seigneur » seulement. Monsieur, elle ne dit pas seulement « Monsieur », comme c'est le cas dans les textes grecs. Dans tous les textes grecs, c'est « Monsieur », « Kyrie », « Oudes Kyrie », « Nul », « Monsieur ». Mais le texte syriaque ne dit pas « Monsieur », il ne dit pas « Mar », il dit « Maria ». Alors là, il y a deux solutions. Ou bien le texte est délirant, ou bien il est magnifique. De deux choses. D'abord, c'est un peu problématique qu'un texte délirant ait perduré 2000 ans. C'est-à-dire que les Araméens aient laissé ce texte-là. S'ils l'ont laissé, c'est qu'ils l'ont considéré magnifique et pas délirant. En grec, il est écrit seulement « Monsieur »,« Kyrie », »,« Seigneur ». Pourquoi ? Eh bien parce que le grec jamais ne rend l'expression « Seigneuria ». Jamais ! Toutes les fois qu'il y a « Seigneuria » en araméen, vous avez seulement « Seigneur » en grec. Donc ça veut dire que non seulement le syriaque ne peut pas être tiré du grec, mais c'est que surtout que le grec est toujours en défaut par rapport au syriaque. Et il n'est pas possible que 2000 ans d'aramophone n'aient pas fait de bon en entendant Maria. Si le texte était faux, ben ils l'auraient corrigé. Ils auraient enlevé le yod, hein, c'est pas long, c'est pas, hein, enfin, c'est yod et aleph, hein, c'est quand même deux lettres. Et ils auraient laissé Mar. Personne Mar. Non, personne, Seigneur. Mais s'ils l'ont laissé, c'est que pour eux, c'était une tradition authentique. Et pourquoi ? Eh bien, parce que l'expression « Maria »,« Seigneur Ya », »,« Seigneur de Yehovah », peut s'entendre de deux manières. Elle peut s'entendre dans ce qu'on appelle la forme absolue ou la forme construite. C'est-à-dire, vous pouvez en comprendre « Seigneur Ya », où il s'agit à chaque fois du sujet, ou bien vous pouvez le comprendre au sens de « Seigneur de Ya ». D'accord ? Comme un génitif. C'est possible en vertu de la contraction du mot « Mar », parce que normalement c'est « Mara » au sens absolu. En mettant. Et nous avons... dans le Nouveau Testament, deux occurrences où Maria ne peut pas se comprendre comme si c'était le Seigneur Ya lui-même, mais au sens de le Seigneur de Ya. Et c'est ce que dit la femme pécheresse, puisque les rabbins ont demandé à ce type-là de la juger, s'ils lui ont demandé, c'est qu'il est égal à Dieu, puisque les jugements se font au nom de Dieu. Elle s'est dit, les rabbins ont reconnu que ce docteur-là était impeccable et qu'en vertu de son impeccabilité, il était capable de la juger en vérité et en légitimité. Donc lorsqu'elle lui dit « Personne, Seigneur Ya », elle veut dire « Personne, Seigneur de Ya ». C'est toi qui es le représentant de Ya. Sauf que, en vertu de l'ambiguïté de l'expression, elle dit quelque chose de plus. Sans doute la femme pécheresse n'a pas vu le Verbe incarné devant elle. Non, non. Elle a vu que Jésus. Mais les chrétiens, eux, en entendant cette péricope, eh bien, ils voient plus qu'un docteur impeccable. Ils voient véritablement Yah, en chair et en os. Et donc, ils font entendre, derrière l'expression de la femme pécheresse, une authentique profession de foi dans le mystère de l'incarnation de Dieu. Et cette incarnation de Dieu, nous savons, justement, qu'elle n'a pas pour but notre condamnation. Elle a pour but, eh bien, de suspendre un temps le jugement de Dieu,
de laisser un espace de salut, un espace de conversion, en reconnaissant la miséricorde de Dieu par son serviteur Jésus, le salut. Moyennant, nous le savons, sa mort, sa résurrection, tout ça, c'est ce qui fait l'objet et la matière de notre profession de foi. En tout cas, cette femme pécheresse, eh bien, comme à son insu, découvre eh bien, que Jésus ne va pas la juger parce qu'il est venu la sauver, tout simplement. Et Jésus, notez, ne dit pas « je te pardonne ». Il dit simplement « ne recommence pas ». « Moi, je ne te condamne pas ». Voilà. Il lui dit seulement ça. Et il lui dit seulement ça parce que pour l'instant, tant du point de vue de l'argumentation de la controverse avec les autres, il a seulement voulu les prendre au piège. Puisque vous, qui n'êtes pas impeccable, vous ne pouvez pas juger, bah, je vais faire comme vous. Je vais vous laisser croire que je suis moi aussi non impeccable. À vous de découvrir après. Et donc du point de vue de la controverse, Jésus, voilà, il ne va pas y en rajouter. Oh, je te pardonne. Alors là, on sort du sujet. Voilà. Pour rester bien dans le sujet, pour qu'on ait bien compris de quoi il s'agit, Jésus s'arrête au sujet, à savoir, je ne te condamne pas. Mais nous savons, parce que nous sommes auditeurs et chrétiens, que Jésus ne fait pas seulement ne pas condamner, il va aussi pardonner. Ça, c'est une autre leçon, une autre histoire, une autre délivrance et un autre événement auquel nous-mêmes, eh bien, nous faisons l'acte de foi qui lui correspond. Eh bien, allez dans la paix du Christ.